Avant d'aborder la DH et nos équipes de Saint-Just, Clermont, attribuons les tops de la journée. Les tops de la journée qui seront attribués à Saint-Jubé en premier. Saint-Jubé qui recevait Senlis B chez lui, le match à 17h. Bon, le fait d'avoir joué à 17h n'avait peut-être pas toute son importance. L'essentiel étant que Saint-Jubé ait gagné. Un top également à l'équipe d'Angers qui recevait Brel 3-0 sans discussion. Un top également du côté de Saint-Rémy-en-Laye. Denis Ducrot et son équipe sont allés à Fidjam et ont gagné. Ça sent bon la montée de ce côté. Alors un flop pour en promotion de première division pour Clermont B qui n'a pu battre la Boissière et qui voit là toutes ses chances d'accession s'envoler. Flop également pour Lieuvillé qui étrillé 4-0 à Breteuil. Alors, sur la DH, Saint-Just qui match nul à la mi-temps, avait pu contenir Chauny en première mi-temps, s'est vu encaisser 2 buts en seconde mi-temps. Rien de déshonorant pour Jérôme Broca et son équipe. Rappelons que Chauny est toujours second au classement. Beaucoup plus grave du côté de Clermont qui se devait de gagner contre Laon. Laon est plus mal classé que lui. Bon, on dira toujours que le but encaissé par Clermont l'a été dans les arrêts de jeu. Mais beaucoup plus grave que ça, puisque Franck Poit ne parle pas de jeu, mais parle d'esprit. Alors là, dans ce domaine, rien n'est maîtrisable. Alors rappelons quand même le calendrier. Clermont recevra Saint-Just dimanche prochain. Clermont ira à Camon. Clermont ira à Saint-Just. Et pour finir, Clermont recevra Chambly, le champion certain.